Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté au niveau du salon de Grenoble. Mais en même temps, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait deux, trois exposants de scrap. Donc c'était un peu la misère de ce côté-là. Mais bon, c'était bien sympa. D'autant plus que je suis allée à Grenoble avec Christelle. Donc, que vous retrouverez sur YouTube, je vous mettrai son adresse en barre d'infos. Donc, c'est Scrapbook Chris. Donc, une super rencontre. J'ai été ravie de faire sa connaissance. C'est quelqu'un de super gentil, d'adorable. Et vraiment, j'ai passé un très très bon moment avec elle. Et en plus, elle m'avait découpé, enfin préparé, des petites découpes. Donc, regardez, elle m'a tout mis dans une enveloppe. Elle m'a fait avec le négatif de la caméo, elle m'a fait le prénom qui est ici. Donc j'ai trouvé ça super adorable. Et alors elle m'en a fait 3 tonnes. Pardon. Donc, je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc elle m'a déjà préparé un négatif photo, donc qui est quand même super grand. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Qui est magnifique. Une découpe Polaroid. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, comme ça, avec marqué Love. Super beau. Elle m'a fait aussi un pochoir avec la caméo. Donc, c'est super joli sur du rhodoïde. Donc des pellicules un petit peu plus petites, comme ça. Donc ça, alors c'est une petite pochette complie. Et après on peut glisser quelque chose à l'intérieur. Donc c'est magnifique et je suis à deux doigts de craquer pour la caméo. Franchement, voilà. Merci. Un autre Polaroid. Voilà, on le voit bien parce que sur mon t-shirt noir, hop, donc c'est marqué Love You. Celui-ci est juste sublime. Il est à l'endroit. Donc c'est marqué Love You. Il est superbe. En plus, c'est très très fin. Je ne sais pas si on voit bien. C'est magnifique. Hop. Ah, elle m'a découpé ça aussi. J'aime bien les mots. Là. Alors celui-ci, vous allez voir, il est sublime. Alors non, vous n'allez pas voir en fait. Marqué Love, c'est hyper fin. Je sais pas si vous voyez la finesse. Enfin, c'est sublime. Hop. Alors ça, mais alors ça, attendez, je mets, alors déjà ça c'est super beau, donc c'est parfait, moi qui ai attaqué mon projet Life, c'est sublime. Puis alors elle m'a fait ça, regardez-moi cette beauté, c'est super joli, oh, moi j'ai craqué là, en direct. Pas si je vais tout pouvoir vous montrer, il y en a tellement. Notre carte. Là, c'est marqué complicité. Je suis désolée, hein. J'ai repris froid. Ça, c'est grandiose aussi. Donc, je m'en servirais bien pour comme pochoir. Ça, trop beau. Ouais, franchement, l'Allemagne, mais alors gâtée. Ça aussi. Alors, je vais peut-être pas tout vous sortir parce que il y en a, mais il y en a. C'est impressionnant tout ce qu'il y a. Nos petites cartes Project Life. Un autre appareil photo, regardez-moi ça. Oh là là, c'est la classe.
Je rêve d'avoir des découpes comme ça. Voilà. Celui-ci. Celui-ci est sublime aussi. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais il y a le soleil. Alors que quand je suis partie tout à l'heure, ben, il neigeait. Et je me suis dit, ben, ça y est, je vais tomber dedans. Et puis, ben non. J'ai eu de la chance. Elle m'a donné plein de tags. Regardez ça. Plein de tags. J'ai de quoi faire là aussi. Des cœurs en carton épais. Aussi. Ça, c'est super beau. Regardez les petites fleurs aussi. Sublime. Hein. Là, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors ça, ah bah voilà, on va prendre les tags. Regardez ça. C'est pas joli, franchement. Ah, moi, je kiffe. Hein. J'adore, j'adore et j'adore. Et elle me l'a fait en plus comme ça. C'est magique, cette machine là, pouf, trop beau. Ah, puis alors ça, regardez. Ça, j'adore. Comme ça. Enfin, elle a dû y passer un temps, je vous raconte pas. Notre petite fleur. C'est tellement petit. Hop. Celui-ci. Celui-ci est sublime, 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 sublime. Regardez ça. Magnifique. Encore des petits cœurs comme ça dans les bulles. Plein de petits cœurs. Oh, regardez ça. C'est la classe, hein. Franchement. Les petits papillons. Alors moi, j'adore les papillons. J'en fais une consommation. Je surconsomme les papillons même. Ça, c'est magnifique aussi. Voilà, c'est la grande mode. Et puis comme, oui, comme je vous disais, comme elle sait que je fais le Project Life, eh ben, elle m'en a fait plein. Regardez ça. Franchement, ça, c'est trop joli. Petite ampoule. J'adore. Elle fait celui-là. Ben, elle me l'a fait en noir, l'ampoule aussi. Voilà. Ah, et puis alors ça. Ça, c'est mon grand kiff du moment. D'ailleurs, je vous montrerai, j'ai commandé l'autre jour, d'ailleurs c'était très rapide. J'ai commandé mercredi chez Carglass. Je voulais absolument les matrices comme ça, avec les petits appareils photo et tout, de la marque 4h37, en rupture de partout, j'ai trouvé chez Carglass, pardon. Et je confonds avec Carglass, moi, n'importe quoi. Ça va bien se passer. J'ai commandé mercredi, j'ai reçu samedi, donc super rapide. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo. Et j'en ai justement comme ça, c'est trop beau. Ça. Des flèches. Ça. Enfin voilà. Et je suis sûre qu'il y en a encore plein dans l'enveloppe. Il y avait ça aussi, c'était joli. Just be. Ouais, il y en a encore plein, mais je ne peux pas tout sortir parce que c'est vraiment tout petit. Donc ça, bah, c'est Christelle qui m'a gentiment offert tout ça. Et bah, je te remercie énormément encore, ma belle. Et vraiment, comme on disait, bah, ça sera pas la seule fois où on va se voir. On va essayer de se programmer une petite journée scrap ou une petite virée. Shopping, je sais pas, mais on va se revoir, ça c'est certain. Comme je disais, c'est quelqu'un d'adorable. Donc je vous mettrai, alors pour celle, mais je suis sûre qu'il y en a plein qui la connaissent hein, maintenant, je vous mettrai quand même son adresse en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle fait parce qu'elle nous fait aussi des merveilles. Que ce soit en carterie ou en scrap, c'est sublime. Donc vous irez voir. Alors, attendez, je vends juste ça pour pas en se mettre en route parce que comme je vous dis c'est tellement petit
que je veux pas en perdre une miette. Donc je vais m'amuser maintenant, hein, voyez, à tout ranger mes découpes. Puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai pas abusé, hein, franchement. J'ai acheté ici une plaque de carton gris d'1,5 mm parce que je veux faire un album avec. Façon livre, donc je vous montrerai. J'ai acheté des pilofs. Donc là, c'est un pilof alphabet. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça brille tellement. Bon, je n'ai pas payé cher, c'était 70 centimes. Donc, et j'ai acheté des demi-perles comme ça. Donc, ils vendaient toute la plaque 3 euros. Donc, on a compté vite fait tout à l'heure avec Christelle. Il y en a plus de 1000 hein, dessus. Donc, ça vaut le coup quand même 3 euros. Ça... Je me suis pris une autre distress que je n'avais pas, c'est la Tumble Glass. Donc je voulais un bleu pâle, donc ça va être parfait, ça va bien aller avec les autres. Toujours dans l'esprit du Project Life, j'ai acheté des sujets en bois marqués Happy, j'en ai pris deux. Là. Et puis voilà, puis j'ai pris quelques papiers, donc comme quoi je ne me suis vraiment pas... J'ai pas abusé, hein. De toute façon, il n'y avait pas de quoi abuser en même temps. J'ai pris un papier comme ça. C'est très joli. Bon, il était en solde à 60 centimes. Bon, ça reste quand même cher pour du papier, mais bon. J'ai pris celui-ci de la collection Lost and Found. Ouais, c'est ça. Donc, avec un côté quadrillé et un côté tout pailleté. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et pareil, j'ai payé 60 centimes. Et ça, je l'ai pris en deux exemplaires. C'était pas en promo, mais pour le Project Life, pour découper les tickets. Et c'était 1,10€ la feuille. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Et puis, de l'autre côté. Voilà, voilà. Donc, au moins, je vous aurais montré tout ça. Donc, on va essayer de mettre en place avec Christelle un petit reportage diaporama de notre virée à Grenoble. En dédicace à Christelle Décoration. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de filles qui n'ont pas la chance d'avoir tous les magasins de Noz, de Ziman, les salons à proximité. Donc, on essaye de partager tout ça avec vous. Voilà. Bah écoutez, moi, je vous souhaite un bon dimanche. Moi, je vais m'amuser à ranger tout ce que Christelle m'a gentiment offert. Christelle, encore une fois, je te remercie. J'ai passé une super journée, une très belle connaissance. Donc, je suis ravie. Et puis, j'en profite aussi. Je remercie toutes mes nouvelles abonnées et les anciennes aussi. Parce que bon, je pense pas tout le temps à le dire. Mais c'est très gentil de voir que ce qu'on fait plaît... peut plaire aux gens, donc je trouve que c'est quand même normal de remercier les gens. Et puis ben, j'essaye très vite de vous faire la vidéo sur les tampons parce qu'il y a un moment que je veux la faire, mais à chaque fois ça plante avec mon téléphone, donc je vais essayer de faire tout ça. Et puis alors je sais pas si ça vous intéresserait, je voulais faire une vidéo avec de la vente de matériel, si ça vous intéresse, parce que là je suis en train de faire un gros ménage dans mes affaires. Donc si ça peut vous intéresser, moi je veux bien vous faire une petite vidéo avec le matériel que je veux vendre. Et puis enfin n'hésitez pas, vous me donnez votre avis. Je suis toujours très contente de lire vos commentaires. J'essaye de parler plus fort aussi parce que le problème, comme je disais, c'est quand je filme avec ma tablette, eh ben le son n'est pas bon. Donc là normalement avec l'iPhone, ça doit, enfin avec le téléphone pardon, avec le téléphone ça doit être pas mal au niveau du son. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout. Moi, je vous souhaite de nouveau un très bon dimanche. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.